It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's news hour on Spectrum Television. Making news tonight, February 21, 2023, Martinez-Zogo case update. The journalist Xavier Massé is still to be heard at the State Secretariat for Defense. This with regards to his recent statement in which he revealed that he had been informed of the death of Martinez-Zogo a few hours later. Another journalist, Zéphirin Koloko, was equally interrogated to this regard. Details in this newscast. Plus, in sports football, the indomitable Lionesses of Cameroon have wrapped up preparations ahead of your very decisive fixture with Portugal tomorrow morning. With Ange Bawu out, the keeper, Kathy Bia, seems ready and fit to her shoes in this encounter. These stories and much more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Balingua Primetime newscast on Spectrum Television. We'll kickstart this news in the French language with Makeda Lidi-Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Assexuel et mesdames, messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal, comme nous vous l'annoncions, avec l'actualité autour de l'affaire de l'assassinat de Martinez-Zogo. Le journaliste Xavier Messier est toujours entendu au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Cela fait suite à ses récentes déclarations sur une chaîne de radio basée dans la ville de Douala. Déclarations dans lesquelles il révélait avoir été informé de la mort de Martinez-Zogo quelques heures seulement après. Notre journaliste a été également auditionné. Il s'agit de Zéphirin Koloko. C'est le directeur de publication du journal L'Avenir. On fait le point avec vous, Olivier Bouziqueux, à Yaoundé. J'ai mis en place un dispositif de sorte que je sois systématiquement informé, que ce soit par les recherches et par des personnes qui étaient des voisines de Martinez. C'est ainsi que j'ai été parmi les toutes premières personnes à être informées, n'est-ce pas, de son assassinat. Mais je n'avais pas le pouvoir, je n'avais pas le droit d'informer les personnalités. Il fallait laisser ce travail qu'il soit fait par les personnes indiquées, c'est-à-dire les responsables de la sécurité ou de la justice. Mais j'étais informé depuis mercredi matin, très tôt, vers 5h, j'étais informé. Il a été assassiné le même soir, aux environs de 3h du matin. Et j'ai été informé vers autour de 5 heures, on m'a réveillé autour de 5 heures par un coup de téléphone. Voici l'enregistrement source des ennuis judiciaires du journaliste Xavier Messi. Après cette intervention au cours d'une émission radio, le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Calamé a été déjà entendu 4 fois par les enquêteurs du CET dans le cadre de l'enquête en cours sur le meurtre de Martinez-Zogo. Après une journée d'interrogation hier par une dizaine d'officiers supérieurs de l'armée, Xavier Messi a de nouveau été entendu ce 21 février. Globalement, il lui a été demandé de donner des indices sur ses révélations, ses liens avec Martinez-Zogo, son informateur qu'il a choisi de protéger. Et je pensais que c'était un canular, mais si ça n'avait pas été quelqu'un que je connaissais très bien, c'est-à-dire mon informateur, j'aurais cru que c'était peut-être une fausse nouvelle, mais il fallait se rendre à l'évidence. Martinez n'était plus de cette vie, mais il fallait que la police ou la justice fasse son travail pour pouvoir récupérer le corps et puis annoncer au public. Ce qui n'a pas été fait, ça a été fait avec beaucoup de retard. Dans la foulée des auditions de ce 21 février, un autre directeur de publication connu, Zéphirin Koloko, a également été entendu au CET. Tout porte à croire qu'il serait finalement le mystérieux informateur qui aurait donné des informations à Xavier Messé sur la mort de Martinez-Zogo. Joint au téléphone au moment où nous mettions sous presse, l'avocat de Xavier Messé, Maître Maïm Jean-Pierre, nous a révélé que les confrontations sont toujours en cours. C'est l'une des pistes sur lesquelles les enquêteurs sont concentrés au lendemain de l'audition de l'épouse de Martinez-Zogo, qui craint toujours pour sa sécurité. Away from the Martinez-Zogo case, we now talk rural development. In prelude to the second edition of the International Plantain Festival, scheduled to take place in November in Boya, southwest region of Cameroon, the Minister of Agricultural and Rural Development, Gabriel Mbairobe, has granted audience to the members of the Southwest Regional Council to take stock of the organization of this event, which will be coming up in November. Let's take a listen to the minister to get more insight on the discussion that went by during this audience in the following excerpt. The audience today aimed to launch the preparation of the second edition
of plantain festival in Boya in the southwest region. First of all, permit me to thank the president of the Southwest Regional Assembly, the head of House of Chiefs, and all the magistrates who have made the journey, the trip from Limbe or Boya to Yaoundé to prove or to give the proof of their commitment to make this festival a total success. You know, banana plantain is a very important food crop in our country because this crop contributes to food security. This crop creates joy, job for youth and women. And this crop have the entire value chain to create income and to create activity for people in area and urban, in rural and urban areas. That's why we think that banana plantain is very important, not only for our country, but for the sub-region. And we have the many opportunities, and the Southwest is one of the region who produce more plantain in our country, and we are proud and very happy that the Regional Council of the Southwest accept to host this ceremony. Will be a very very important ceremony. Qu'en est-il des prix sur le marché avec l'augmentation des prix du carburant à la pompe? Les coûts de transport des marchandises ont été revus à la hausse. Pour le moment, les commerçants disent supporter ces augmentations, mais ils vont répercuter très prochainement ces dépenses supplémentaires sur les prix des denrées alimentaires. Nos reporters Inès Pangan et Nono Fautué se sont rendus au marché Nudeido ici à Douala. L'effet domino de l'augmentation du prix du carburant à la pompe sur les prix des denrées alimentaires n'est qu'une question de temps. Après une augmentation des coûts des transports Uber en taxi, ce commerçant détaillant au marché Nudeido à Douala dit juste attendre une hausse des prix chez les grossistes pour le faire aussi. Nous attendons juste un clic de la part des fournisseurs qu'ils augmentent un peu et nous prenons ça. À notre niveau. Okay, pour l'instant, nous avons les mêmes prix qu'on avait pratiqués avant l'augmentation du prix du carburant. Pour le moment, il avoue supporter les dépenses supplémentaires dues au transport, bien que celles-ci aient un grand impact sur sa marge bénéficiaire. Oui, par rapport à l'augmentation du carburant, en fait, on n'a pas eu d'augmentation des prix par rapport à nos produits alimentaires. Cependant, nous perdons, nous les commerçants. Nous perdons parce que le transport que nous on payait pour ramener les produits dans les échoppes, le transport a augmenté. Oui, mais comment est-ce que vous faites pour... Mais nous vendons au même prix. Ça veut dire que vous vendez à perte? Nous vendons, on ne vend pas à perte, mais on ne gagne plus comme on gagnait avant. Ah, d'accord. On ne gagne plus comme on gagnait. Avant ou après l'augmentation des prix du carburant, les ménagers disent être déjà asphyxiés. La hausse généralisée des prix des aliments est de plus en plus insupportable. Tout a augmenté, puis si on pleure l'huile qui est à 2200 un litre et demi, on a cru que ça devait baisser, au moins ça ne baisse pas. On est toujours dans les mêmes problèmes. Le poisson, c'est toujours les mêmes problèmes. La viande, les mêmes problèmes, 4000 au kilo. On fait comment? On est toujours dans ça. Le riz qui était à 125, à 250 la boîte. Tout a augmenté, il n'y a rien qui est en baisse. Depuis le 1er février, le super est passé de 630 à 730 francs CFA et le gazole de 545 à 720 francs CFA. Pour le transport en taxi, à l'intérieur de la ville, le ramassage de jour passe de 250 francs CFA à 300 francs CFA. Après 22 heures, l'usager débourse désormais 350 francs CFA et non plus 300 francs CFA. And still in line with finance, the 2023 budget for the Sanaga Maritime Division has been adopted by the councillors of Union of Mayors, with electricity and tourism highlighted as their priority project. Unila Donet tells us more.
The 2023 budget for municipalities in the Senegal Maritime Division has been adopted by the Union of Mayors on Wednesday, February 15. The budget will be used to improve electricity, create a cartography of the division. An energy plan will be erected, which will help foster research so as to develop other sectors. But we'll do the same in the tourism sector. We'll foster economic growth in agriculture for the betterment of our population. This Union of Municipalities of this division, in its acronym SINUSAM, is an association established way back in 2022 by the 12 mayors that make up this area. The syndicat n'a pas vocation à se substituer aux communes, mais au contraire, de travailler sur les projets structurants. The syndicate does not have the intentions to substitute for a municipality. However, it intends to work on structured projects which will create a bigger change in our community. As they say, at 12 we are stronger. That is our vision. Mayors decided to add to their individual work by coming together to work for the development of the population. The plenary session was also an opportunity for the association to elect its vice president. Ce 21 février est journée de célébration de la langue maternelle. L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. C'est le thème retenu par les Nations Unies à l'occasion de cette journée. Au Cameroun, un constat est fait. Les enfants aujourd'hui parlent de moins en moins leur langue maternelle. Si la problématique est la transmission, alors comment se fait-elle dans les ménages? Orient Donkeng et Nono Fetu étaient sur le terrain. Une des langues officielles, notamment le français, est la plus utilisée dans les maisons au quotidien. La maison avec les enfants, ce n'est pas facile. Les enfants sont tellement habitués avec le français. Et il faut dire à l'enfant, il faut forcer. Il faut forcer avec l'enfant pour dire « Hachébom ». Vraiment comme ça. Donc on parle toujours en français, mais c'est vraiment aberrant parce que nous sommes en train de perdre nos coutumes. Un état des choses qui pourrait s'adosser sur l'évolution de la société. Il n'y a pas de solution magique qu'on puisse faire pour que la langue maternelle soit maintenue parce que le monde évolue. On ne peut pas individuellement inculquer à ses enfants la langue vernaculaire, d'autant plus que il y a ce mixage de tribus. Toutefois, il est important de ne pas perdre complètement les repères. Justement, il faut déjà, c'est très important d'apprendre sa langue maternelle à ses enfants. Et la manière de procéder, c'est de temps en temps, causer avec les enfants, dialoguer avec les enfants en cette dialecte-là, en cette langue-là, c'est très important. En dehors de ça, il y a aussi certaines méthodes que nos parents, je crois, ils ont utilisées, savoir l'appellation des noms des choses en langue maternelle. Ça passe aussi facilement. Modernité oblige, il existe de nouvelles méthodes correspondant à l'évolution du temps. Par le passé, la transmission était de bouche à oreille. Avec les grands-parents, on envoyait les enfants en congé chez les grands-parents pour apprendre à parler la langue maternelle. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a des moyens beaucoup plus sophistiqués pour le faire. Il y a des plateformes digitales où on peut permettre aux enfants d'apprendre à s'exprimer en langue maternelle. Et c'est dans cette optique que moi, je promeux ce genre d'activité. Ce 21 février, journée internationale de la langue maternelle. Celle-ci est moins utilisée par les jeunes. La problématique relevée ici est la transmission. Et en cette journée de célébration de la langue maternelle, nous avons baladé notre micro dans les rues de la ville de Douala en posant une petite question aux habitants rencontrés. Dites-nous un mot en votre langue maternelle. Écoutez ces réactions recueillies par Nono Fitu. Je termine à STVA, je suis venu à la maison de 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 la maison
jotta ko mi ha Cameroun do kam ayna wolde man don dikka min bola wolde ayn buran do wala wadda France wadda alaji fere fere kay mi yem yon hala bikkon jeur gol saron min bola wolde amin buran amin Allah wallu en lokko en sa amin gaman ci asse ko pop pou mayo ko pou Cameroun mom bo ni ma nakwezu nokwezu wa manjinji manjinji Michel Maka, nous sommes Maka, mon gars d'avis, moi c'est Chile Maka, mon jour Chile Lomie, mon rôle Lomie mais c'est Obin, mon Calvin, mon Manuin, et qui va? Ma soeur Yang Betty, Asso Omosi encore, ma yidma soeur Bourbosia, à Ongola Bourbosia, Ibalwa. Be bisia bam bunya bam be kalbam bunya bam masuk mio eh nda on ko di an yoko abu tumte nane ba soidi general e stb bon mbabu soidi wa ko ngwa mum mumim be san be lan pelom me bisi ndemba moi kon ki don. Loin de la langue maternelle, on s'intéresse cette fois à la santé. La quatrième phase, d'une campagne de vaccination contre le choléra sera organisée dans la région du littoral dès demain 22 février jusqu'au 26 février prochain. Une dose de vaccin oral sera administrée aux populations des 5 districts de santé. L'objectif ici est de renforcer l'immunité collective selon les autorités sanitaires. Plus de précisions avec vous, Inès Pangon. Du 22 au 26 février 2023, les agents vaccinateurs du ministère de la Santé publique vont faire le tour de 5 districts de santé dans la région du littoral. C'est la quatrième phase d'une opération dans la région qui a souvent enregistré des cas de choléra, une maladie hydrique, infectieuse et très contagieuse. De faire une campagne de plaidoyer avec les différentes parties prenantes pour le lancement de la vaccination de riposte contre le choléra du 22 au 26 février qui va concerner 5 districts de santé. Durant cette période, une dose de vaccin oral sera administrée dans les ménages, les établissements scolaires, les formations sanitaires et les lieux de grands rassemblements. Aussi, j'invite les populations à faire bon accueil aux vaccinateurs car c'est une maladie qui est assez terrible, qui peut entraîner la mort. Les causes sont connues, je pense que c'est une maladie qu'on appelle la maladie du péril fécal. Donc il faut se laver les mains, tenir les lieux de latrine éloignés. Le personnel de santé va sensibiliser les chefs de communauté et autres. J'invite aussi les parents au niveau des établissements scolaires à laisser vacciner leurs enfants. Au cours de cette campagne, les populations seront éduquées à l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. L'objectif est de protéger les populations des districts de santé concernés et renforcer l'immunité collective. Une réunion d'annonce de cette opération a lieu ce 20 février 2023 dans les locaux de la délégation régionale de la santé publique du littoral. Away from our national page, we now take on our international page with our foreign partners, the Voice of America. An Italian Eurofighter patrols the skies near Romania's border with Ukraine. Italian Colonel Michele Morelli tells us his 150-man team arrived at this Romanian airbase for one mission. They were basically here to protect Romanian airspace from any type of threats that might be out there. They're part of a massive NATO-enhanced air policing operation, created in direct response to Russia's illegal annexation of Crimea in 2014. Russia may say that this is provocative, but NATO says it's deterrence. Well, of course it's deterrence. We are not here to fight any war. They serve as a sort of collective shield across NATO airspace. If somebody comes to us, they cannot just expect a single country to face that threat, but a huge organization like NATO with a lot of fighters, a lot of pilots knowing each other and be ready to protect the country. Aircraft travel fast. An average airliner, slower than a fighter jet, still travels about 11 kilometers per minute. So a team of two jets are always on high alert here for potential intercepts and must be able to get airborne in less than 15 minutes. To test their speed, Morelli and the Italians scramble. Gotta go. It's called a T-scramble drill,
a race to get cleared for takeoff and up in the air at any moment, day or night. The team makes it look easy. And now, with Russia's further aggression in Ukraine, defense analysts say pilots like Morelli have become a vital addition to NATO's eastern flank. There's also anticipation of a Russian military offensive at some point in the coming weeks. Some already designate that this offensive may have been on the way. And so these NATO pilots are going to watch for Russian Air Force activity. Morelli's team took just 11 minutes to take off. But he says they will be back at it in a few days, eager to race the clock again, knowing every second would count should a real threat enter NATO skies. Carla Babb, VOA News, Mihail Colghenicianu Air Base, Romania. Well done. I clocked you at 11 minutes. You had plenty of time to spare. Yeah, I'm going to take a coffee. We now talk sports football. The indomitable Lionesses of Cameroon have wrapped up preparations ahead of their very decisive fixture with Portugal tomorrow morning. With Ange Bahou out, the keeper, Kathy Bia, seems fit and ready for the encounter. Onila Donet tells us more. A World Cup bet is on the line for both Cameroon and Portugal. These teams will meet at the Waikato Stadium on Wednesday for the finals of the Women's World Cup playoffs in Group A. The team has wrapped up preparations, with their faith now hanging on the outcome of tomorrow's game. With Ange Bahou out, coach Zabo will have to make the choice between Math and young star Kathy Bia. Vraiment parce que l'entraînement, moi je peux dire c'est... Training is almost the same. We do the same exercises almost all the time. It's true we usually meet after some months, but we see the same thing all the time. If we trust ourselves more and do our best, we will go to the World Cup. Cameroon meets Portugal for the first time in the Women's World Cup playoff, hoping to get a third qualification, with the latter gunning for their very first. Portugal won 5-0 against New Zealand on Friday, sending a strong warning to Cameroon. The winner at Hamilton joins United States, Vietnam and Netherlands in Group E. Toujours en sport, volleyball à présent. La guerre de légitimité n'est pas près de s'achever au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball. La bataille a quitté les bureaux et se fait désormais dans les stades. Le temps d'un week-end, la même fédération qui a désormais deux exécutifs a organisé l'ouverture de la saison sportive. Reportage Orien Donkeng, Thierry Hon. D'un open à un autre, il n'y a qu'un mot qui a fait la différence. Dans la même ville, pendant le même week-end et dans la même fédération, celle du volleyball, l'on a eu droit à l'Open Camtel Senior Dame et l'Open de la Réconciliation. La guerre de légitimité qui secoue la FECA volée s'est invitée au filet. Pour la relance des activités, le président reconnu par la Fédération internationale de volleyball, le ministère des Sports et de l'Éducation physique et le Comité national olympique a organisé un tournoi. Ce qui vient de se passer ce week-end nous montre en suffisance que la réconciliation n'est pas un vain mot. Nous le faisons dans la pratique. Mais sur le terrain, le camp d'en face n'a pas répondu présent. Du moins, Julien Serge Abouem, se revendiquant également président de la même fédération camerounaise de volleyball, n'a pas été aperçu au Mateco, puisque lui-même a organisé un autre tournoi, également au compte de la relance des activités. Au niveau de la participation des équipes, Bello Bourdan, reconnu par les instances, a fait concourir 27 équipes contre 8 pour le camp d'en face. Pour essayer de voir déjà quel est le potentiel national en termes d'athlètes, nous avons apprécié également le niveau. Je puis vous assurer que cela augure de lendemain meilleur. Je prends un exemple. En 2 semaines, la famille sportive camerounaise du volleyball a les équipes, par exemple, entre le tournoi de la jeunesse et le tournoi de la réconciliation, nous nous retrouvons en moyenne à 9
entre 9 et 12 matchs par équipe. Par le passé, le championnat s'arrêtait à 6 matchs. Si nous commençons avant le championnat à avoir 12 matchs, c'est vous dire que nous sommes résolument tournés vers la compétitivité. Au terme de l'Open de la Réconciliation, ce sont PAD Messieurs et FAB Dame qui ont triomphé. Déjà, on a repris le chemin du terrain et puis, c'est la première compétition de la saison. Donc, ça fait plaisir. Le respect des règles de la consigne. L'équipe de FAP était très forte aujourd'hui et on a dû garder la réception déjà et puis faire des contre-attaques, bloquer et servir également. Cameroun Warriors Volleyball a battu Bafia Volleyball Evolution pour le compte du premier regroupement Open Camtel Senior Dame organisé par Julien Serge Abouem. Sipou Bello Bourdan, élu président le 20 janvier dernier, les élections sont derrière, qu'il faut être réaliste et avancer. Pour son adversaire, qui a été élu également le 4 février, la bataille est loin d'être pliée. C'est donc une affaire à suivre. Et cela met un terme à ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir. Au revoir, Christelle Assek. Good night, Makeda Lidinyantom. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of programs on Spectrum Television. See you tomorrow, God willing. Bye-bye.